Bonjour tout le monde, bienvenue sous Palmi Sakma pour la CAI. En fait, nous venons parler de Noassa. Non, pas lycée et Ronnie Long. En fait, monsieur souhaite passer 44 ans en prison. 44 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. C'est vraiment triste. Des histoires de la part de, en fait, de vie, Noa qui vit pas bon ici. 44 ans. En fait, il était condamné, monsieur, pour 80 ans en prison. Comme quoi que l'été volait et violait le monde. Alors qu'il n'y a pas de venir dans quelle évidence. Ça veut dire que ça a passé dans North Carolina. Monsieur fait que libéré là. En fait, c'est en fait, ça, c'est depuis en 1976, hein, ça a passé. Après 44 ans en prison. Il a accusé le comme quoi il t'a violé. Et volé non caille. En fait, je suis entré en prison à l'âge de 20 ans. Monsieur qui a expliqué, il prend toute ville, basically. Et depuis les actions, en fait, là, monsieur t'a toujours dit que lui innocent, qu'il pas coupable. Maintenant, ça qui est triste dans l'histoire, ça. En fait, je dis avant de monsieur, il a 64 ans. OK? 20 ans, il a 64 ans. Ça qui est triste dans l'histoire, c'est que il a expliqué que monde qui t'a mené investigation ça, il a fait plusieurs tests. Vous va comprendre en point ensemble de bail. Il pas joindre une preuve. Au contraire, il dit que il t'a regardé grand cheveux jeune sous ses nains, ouais, c'est pas cheveux monsieur. OK? Ça veut dire en fait, j'ai mis monsieur devant un jury qui était blanc simplement. Ça veut dire qu'il y a une bonne bagaille testée, une bonne évidence des séries de bagailles aux jeunes qui pas match avec monsieur. Malgré ça, il a condamné quand même. Il a condamné quand même. Je suis capable d'expliquer, c'est un gros jour lié pour lui, le fait qu'il est capable de sortir de barrière ça, sans que pas personne monde. Cap supervisé, c'est un ouf de soulagement. En fait, monsieur quitté prison, North Carolina, jeudi passé. Côté que t'es en pile amis, famille qui t'attendent ni dehors, qui t'es venu, qui t'avait fait t'es en bataille t'as monsieur dans prison pour te libérer en pile groupe t'as bataille et y'a pas jamais perdu l'espoir justement dans l'innocence monsieur. En fait, lorsque l'avocat et lorsque l'avocat monsieur bon, en fait, et avocat monsieur qui c'est Jamie Lowe, il avait gagné Duke University qui t'a bataille ça. Là, il y a les monsieur Biobalon. Monsieur, bat, quoi ça, vous avez dit là? Puis demander est-ce que nous vraiment sérieux? Je dis oui, parce que cette tête-là dismiss case là après toute évidence. Et donc, après 44 ans, monsieur est arrivé justement. Et clear name et sorti dehors. Et en fait, c'était une dame blanche de 54 ans hein, qui a été accusée, monsieur. Comme quoi qu'elle t'a violé. Nèg la à peine 20 ans. Pas de évidence de contact physique qui t'a relié, monsieur, avec Zaxa. Mais t'es gagné un jury, blanc simplement. Yo convique li et puis yo la gueule en prison pour 80 ans. So, je vais expliquer qu'il pensait que le système justice là vraiment prend victime, ils sont victimes. Mais devant du bataille, monsieur, hein? C'est vrai que yo la gueule à 44 ans, mais c'est après 30 ans en prison. Monsieur vient apprendre, monsieur vient connaître au courant que l'investigateur t'a testé. Près de plusieurs dizaines de pièces évidences qui viennent sous scène de crime. Nan. Et que yo caché résultat. Vous entendez bien? Yo caché résultat que yo joignent. Yo. Ok? Par exemple, te gen à peu près en la 43 fingerprints que yo joignent sur le lieu de crime. Nan. Youn pa match. Ronnie Long. Et yo pas te mette évidence ça pour que le jury yo te au courant. Nan. Yo parlé de
comprendre bien ou te gen yon kit en fait yo te mais en fait ça va aller net c'est que yo te prend des séries d'évidence de en fait yo te prend d'évidence ouais te gen yon rep kit t'es chargé d'évidence que yo prend sous monsieur pour le match bon étant comme accusation yo parle jeune dou la te gen yon cheveu que yo joine sous scène de crime là qui pas match monsieur. Va bien que nous dou monsieur vient découvrir ça à 30 ans de cela t'es une véritable bataille malgré ça c'était là pas d'accord pour changer original verdict là non après que nèg la fin passé et pile temps ça dans prison manifestation qu'a fait et monsieur qui t'a pas expliqué dans en période ça nous prend n'importe et nous prend la vie depuis 20 ans m'a grand ken souvenir qu'on y est là et nous tout malgré tout bah ça hein malgré tout évidence ça et nous dit que évidence ça immatériel ça t'a dit là monsieur gain procès à là c'est parce que là dans appel oui d'abord nous comprendre bien là dans bataille qu'il t'a fait tout bah ça vous pas qu'on voulait justement et la game monsieur non c'est dans appel là la semaine dernière bien et Fourth Circuit Court appel finalement prend décision pour montrer que ça a été les police suppression police et justement éliminer des évidences matérielles sous case monsieur ya. Donc il y a appel c'est ça qui fait que monsieur est arrivé justement libéré mais si c'était pour cette tête là au niveau fédéral monsieur est en prison toujours donc ça veut dire North Carolina attorney général décidé yo pap fake ça encore donc yo lagé monsieur donc yo dismiss case là en fait monsieur qui te voulait pas son titre avec famille ainsi que madame ni pendant la prison mais en 2014 di marié pendant la prison hein? Monsieur a visité et tombeau. Et écoutez, en fait, tombeau parent le mourut. L'obligé à aller dans le cimetière pour l'aller. Et monsieur qui a expliqué qu'on est maman, la papa le mourut. En bas, tristesse, ou un petit garçon en prison. Et là, il est sous tombeau pour le faire qu'on est que lui vivant et que finalement, il mettait le dehors. Donc, c'est vraiment une histoire triste. Et donc, il y a une route qui était. Nous, tout est long en pile. Et je ne j'ai dit à monsieur Gon l'autre version dans la bataille. Là, ça nous a les financial restitution. Donc, monsieur Kabde, vous êtes capable de compenser pour toute année ça qu'il perd dans la ville. Et, but, malgré ça, il a besoin pour gouverner la tabale. Pardon. Ok, parce que. Li gen tit convicted la soudo, le ou libéré la. Comprenez, faut ta balon pardon. Et que pour monsieur Kounye la, ta al cherche compensation. Compensation li ou fait comprendre. Compensation monsieur qui arrive jusqu'à n'importe 750 000 dollars. Et toutes les fois que gouverneur la, ta bay monsieur pardon. Et donc, voilà yon l'autre histoire encore. Des séries de noirs que yo condamné justement parce que tout simplement dans la période ça c'était des jurys blancs simplement caché évidence on dit prends la vie monsieur c'est à 20 ans nèg là entre tout jeune 20 ans donc monsieur quitte prison qu'on a il gagne n'importe 65 ans. Donc voilà, nous avons voté update ça pour vous que une histoire triste de plus dans la vie non à pas bon ici aux États-Unis. C'était un plaisir, guys. Bye bye tout le monde.